Pour une matinée, Marcel Séjour renoue avec l'enseignement, ou plutôt la transmission, comme se plaît à dire ce retraité, devant ses élèves de première STD2A, comprenez sciences techniques, design et arts appliqués. Intitulé du cours « Apprentissage d'une technique de dessin ». Dernière chose, s'il vous plaît. Là, vous avez des outils pour mettre. Et là, vous avez avec le coton, le torchon, les cotons-tiges, vous avez des outils pour enlever. Donc on met, on enlève, on met, on enlève et on essaie de reproduire ça. Aussitôt les consignes données, les premiers volontaires s'exécutent sous l'œil attentif des camarades et du maître qui n'est jamais très loin, le tout projeté sur grand écran grâce à la section audiovisuelle du lycée. Dans ce métier, tout le monde pense que le plus difficile, c'est d'acquérir la discipline de la main. C'est pas vrai, c'est l'œil qui prend le plus de temps à être éduqué. Ça, c'est fondamental. Et l'œil, ça s'éduque comment? Ça s'éduque avec la pratique, ça s'éduque avec la pratique et ça s'éduque avec la pratique. Je trouve que c'est très intéressant, surtout qu'on ne savait pas. C'était une surprise de notre prof. Donc ouais, moi, franchement, j'apprends beaucoup de choses durant cette journée. Donc ouais, c'est très intéressant. Une expérience enrichissante et des plus surprenantes pour ses élèves. C'est la première fois que tu travailles comme ça? Ouais. Et tu trouves ça comment? C'est bizarre. J'ai jamais fait ça, donc j'ai deux coffres. J'ai pas l'habitude de faire ça et là, je commence à faire quelque chose qui me plaît. Je m'y attendais pas en fait, que j'étais capable de faire quelque chose qui au final... Je trouvais ça compliqué, mais au final c'est plus facile qu'on croyait. Techniquement, c'est pas difficile. Après, ce qui prend du temps, c'est l'ordre dans lequel faire les choses et puis où regarder. Vous avez bien vu, quelquefois, il suffisait que j'appuie ou à un certain endroit pour qu'automatiquement, ils récupèrent et ils avancent. Et je trouve ça magnifique. Ça nous apprend autre chose que de dessiner chez nous ou en classe. Dans le premier tableau, j'ai trop travaillé sur les détails, je pense. Alors que là, j'ai d'abord commencé par les zones les plus foncées et aller directement voir l'essentiel, en fait, avant de commencer aux détails. Donc c'est ça qui change tout, je pense. Perspective, lumière, profondeur, au-delà des techniques et conseils prodigués, ce travail, avec l'aide du peintre, sera ensuite exposé sur les murs du lycée de façon permanente. Une première collaboration artistique que le lycée Mamoudzou Nord compte bien renouveler.